Yo les amis, c'est Yannis Cooking, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la sauce bolognaise pour accompagner spaghettis, penne, macaroni et ainsi de suite. Donc vous allez voir, c'est super simple. Donc j'espère que ça a un 3. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc du coup, on se retrouve donc pour notre sauce tomate, très simple. Des petites tomates fraîches du jardin, des carottes, de l'huile d'olive, du sel, de l'ail, des herbes de Provence et du poivre, de la viande hachée, donc je l'avais fait cuire préalablement, deux échalotes car j'ai pas d'oignons. Donc quelque chose de très basique, pas besoin de sauce tomate déjà préparée. On pourrait peut-être y ajouter par la suite un petit peu de concentré de tomate. On va voir ça, mais en attendant, on va commencer les préparations. On va commencer par éplucher nos petites carottes. Donc, une fois que les carottes sont faites, on va venir éplucher nos échalotes. Donc, on prend nos tomates, on va venir y retirer le pédoncule, donc ce qui est juste ici. Donc, moi j'ai des tomates cerises et des tomates fraîches. Maintenant que nos épluchages sont faits, on va pouvoir passer aux découpes. Donc, ça. On va acheter ça. Donc mon échalote, je vais la prendre. Je vais la ciseler. Attention, les couteaux, c'est dangereux. Donc voilà. Donc là, on va prendre une poêle et on va commencer à faire frémir cela. Donc là, dans ma poêle, je vais y mettre de l'huile d'olive. Hop. Je vais attendre que ça chauffe. Et dès que ce sera chaud, je vais y ajouter mes échalotes. Donc là, pour mes carottes, je vais venir les couper. Hop. On va faire des petits morceaux pareils. Donc plus ce sera fin, plus ça cuira vite. Donc là, j'ai mes carottes. Et pour mes tomates, je vais les couper en petits quartiers comme ça. Donc voilà. Donc si vous n'aimez pas la peau de la tomate, on peut très bien prendre des tomates pelées, donc c'est très simple. On prend sa tomate, comme ça, on fait une petite croix sur le dessous, juste là. On la met dans de l'eau bouillante pendant 10 secondes et ensuite on la met dans de l'eau froide. Et vous avez juste à retirer la peau. Voilà, donc là ça m'a mis clairement 5 minutes à tout faire, donc les découpes plus les épluchages. Maintenant, place à la cuisson, c'est parti. Donc là, je vais avoir mon huile qui est chaude, donc je vais y ajouter mes échalotes, bien sûr, ou oignons. Donc utilisez une poêle spécialement conçue pour tout ce qui est haute température. Bon, je pourrais très bien déglacer donc au vin blanc ou alors un fond. Donc personnellement j'utilise des fonds de brun, donc soit bouillon de légumes soit fond de brun. Écoutez ce petit son, ça crépite. Donc là j'ai pris un bouillon de légumes, donc je vais mettre ça dans de l'eau chaude tout simplement, puis je vais venir les déglacer. Donc là j'ai mon bouillon tout simplement, voilà. Là, je vais remettre à une forte température afin que ça s'évapore correctement. Donc à ce moment, je vais y ajouter mes tomates plus mes carottes que je vais laisser cuire tranquillement. Donc ça sert à rien de rajouter de l'eau étant donné que la tomate est gorgée d'eau. Ce qui fait que ça va vous donner votre petite sauce. Tout simplement. Là, on va venir poivrer, y mettre des herbes de Provence, y mettre de l'ail, du laurier. Et par contre, faites très attention par rapport au sel, car les bouillons sont déjà salés.
Donc ça, il faut faire vraiment attention de ne pas trop en mettre, quitte à ressaler par la suite. Donc je vais mettre ça sur feu moyen. Et maintenant, je vais mettre un couvercle afin qu'il y ait de la vapeur d'eau qui se crée. Oui, j'ai pas de couvercle. Donc voilà. Là, on voit déjà que ça a commencé à former notre sauce. Donc là, c'est ma sauce. D'accord ? J'ai ma viande hachée. Et je vais la rediluer avec de l'eau. Parce qu'on voit qu'elle est assez épaisse. Hop. J'ajoute une tasse entière. Je vais y ajouter ma viande hachée et je vais y ajouter un petit peu de concentré de tomate. Maintenant, je vais laisser réduire. N'oubliez pas de goûter, savoir si c'est bien assaisonné. Voilà, j'ai ma bolognaise qui est prête. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à partager cette petite recette plutôt familiale. Sur ce, ciao !